Wesh les gens, c'est Frozen et on se retrouve pour l'épisode 20 de Breath of the Wild qui n'est pas en live celui-ci, mais c'est pas grave, j'avais envie de faire un épisode de comme ça parce que je trouvais que ça faisait longtemps. J'ai même pas posé l'amiibo dessus, mais c'est pas grave, j'ai pas posé l'amiibo sur le... Bref, s'en fout. On ouvre. Qu'est-ce qu'on a? Des flèches de glace, c'est nickel. On va péter ces trucs. Il y a des pommes dedans, c'est magnifique. Allez, 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 allez. Ouais, la petite, tu restes pas là, s'il te plaît. J'ai pas envie non plus de te tuer. Donc ensuite, on va faire celui de TP. Ok, celui de Skyward Sword, il est passé crème, alors celui de TP, voilà. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Des flèches de feu, mais c'est génial! Donc, la dernière fois, on s'était arrêté après avoir fait le temple Vanaboris. Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Je sais pas. Pour a priori dire, je ne sais pas. On va voir un peu ce qu'on a à faire. Journal à Badganon, créature divine, les photos, des souvenirs. Attends. Il vous reste 11 endroits à trouver. Ah oui, il faut qu'on fasse les souvenirs aussi, mais ça, je vous ferai un épisode spécial dédié à ça. Les 7 héroïnes. Ah oui, il faut que je fasse aussi quelques sanctuaires. J'ai 2 emblèmes du triomphe. Ouais. Bof. C'est un peu bof, quoi. En termes de plat, on est bon. Faudrait peut-être que je farme un peu pour faire les améliorations. Ouais, on va peut-être faire ça. Au pire, je le ferai de mon côté. Il manque un bouclier d'ailleurs. Ouais, il manque un bouclier. Je me suis bien dit, il manquait un petit bouclier. Ouais, tac. Nickel. Donc, on va faire la suite de l'histoire principale. Sinon, là, il y a des. Ah oui, là, il y a les trucs antiques là et tout. Il y a le DLC à faire aussi que je dois vous faire. Le prodige d'Arouk. Ouais, bon, là, on a les souvenirs. Donc les créatures divines, il me manque juste une créature divine. Ah oui, il faudra aussi qu'on fasse un peu augmenter notre endurance. Parce que là pour l'instant l'endurance elle est pas ouf. J'ai à peine de quoi escalader un truc. J'ai même pas de quoi escalader une mini montagne. Donc, sanctuaire de Gukoshize. On va peut-être se téléporter, ça ira peut-être plus vite. Ah ouais, faudra qu'on fasse quand même tout ça là. Faudra qu'on aille. Faut qu'on fasse ça là quand même. Attends. Ah là, c'est bon. On va se téléporter ici, on va prendre Epona. Ah mais non, Epona, je l'ai toujours pas. Elle est bloquée. C'est vrai, putain. Donc, du coup, il va falloir qu'on capture un cheval. Putain, c'est vrai, Epona, elle était bloquée. Mais il me semble qu'il y a une grande fée dans le jeu et elle nous ramène des chevaux en fait. Je vais tester un truc après. Bon, toujours aussi long chargement, hein, ça change pas. Commande, consulter, TG. Je pense que je vais tourner pendant 40 minutes et je vais faire comme pour l'épisode 13 de Majora's Mask. Je vais faire un condensé des meilleurs moments. Donc, d'ailleurs, attends, on va se changer. Voilà. On n'oublie pas la tenue qui est bonne. Voilà, c'était à toi. Oui, bon, je sais. Qu'est-ce que. Vas-y, je veux. Hein? Ah, ok. Attrape un cheval. Bienvenue au relais, vas-y TG, tu sers à rien. Putain, j'espère juste qu'il y a des chevaux dans les environs, pas des chevals parce que sinon ça fait dégueulasse. Et vu que j'ai pas fait le deuxième DLC dans cette partie, bah j'ai toujours pas la moto. Dans combien de temps elle a rechargé l'épée légende? Dans 5 minutes. Bon bah c'est pas grave, hein, on va y aller à pied. Je vous fais tout ça en ellipse, hein, c'est pas grave. Donc, on se retrouve à la tour. Donc, attends, on a commencé l'épisode, on était ici, je suis allé là-bas, j'ai fait tout ce chemin, j'ai pas fait la tour parce qu'il y avait des gardiens tout autour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la tour ici, j'ai fait quelques shrines en passant, j'ai débloqué quelques relais, je me suis chopé un nouveau cheval.
On est presque à côté de Vamedo. Attendez, je vais essayer de vous la mettre en visu là. Elle est où? Alors là-bas, il y a un shrine plus un souvenir à faire. D'ailleurs, je vais le pointer direct. Il n'est pas très loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a la grande fée aussi qui est pas loin. Elle est où? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Vamedo. Vamedo, je te cherche. T'es où? Sérieusement. Ah, elle est là. Putain, on peut pas la rater, hein. Regardez-moi ce... Regardez-moi ce beau bébé. Bon, bref, on va activer la tour. J'espère juste que le son du jeu il est bien, parce que si vous ne l'entendez pas, bah c'est vraiment que mon micro c'est de la merde. Attendez, d'ailleurs je vais l'augmenter un peu. Voilà. J'ai dû bouger un peu l'écran de la Switch, mais sinon rien de grave. Donc, on a une nouvelle tour de disponible. On va se faire la grande fée directement, plus le souvenir. Plus le shrine encore, il me semble, c'est une épreuve extrême de force, mais je suis pas sûr. Si je m'en souviens bien. Ah oui, comme dit, faudra faire tous les shrines, faudra faire tous les Korogus aussi. Mais ça, je vous le ferai en live. D'ailleurs, c'est la reprise des lives à la rentrée. Donc, dès la rentrée, les lives reprennent. Et pour de bon, genre, je mettrai un peu de côté les Majora's Mask, parce qu'on a fait un peu beaucoup d'épisodes dessus pendant ces vacances. Hein. Donc, du coup, maintenant, on va s'axer plus sur Pokémon Rouge-Feu. D'ailleurs, il manque un épisode et c'est bon, on a fini le jeu. Je vous ferai Mewtwo, vous inquiétez pas. Et je vous ferai. Et non, les Breath of the Wild, les lives reprennent vendredi soir, vers 17h à peu près. Donc la carte de la zone a été enregistrée. Va faire bientôt 3 ans que je l'ai le jeu. Non, attends. Non, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai le jeu. J'ai toujours pas fini cette partie que j'ai commencé dès que je l'avais, quoi. Donc, on va faire. Grande fée. Et on va se faire le shrine qui est là-bas. Le cheval, on va le laisser là où il est très bien là-bas. Alors il y a des Gemnox, on va les faire. Ah non, c'est pas ce bouton-là. Vas-y, on va prendre la Bracobat. Allez hop. Silex, ok, c'est nickel. Moi je voulais des Gemnox. Voilà, donnez-moi des gemmes. Des gemmes nox. Donc là, il y a du silex. Ah non, gemmes nox. Silex. Ok, je comprends plus rien. Je comprends plus rien à la vie, moi. Des fleurs lames. Ah, faut peut-être que je les prenne en photo. L'épée légende a retrouvé son pouvoir, mais c'est nickel tout ça. Donc, fleurs lames, on prend ça en photo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac tac tac. Il y a des princesses de la sé... il y a... Ouais, voilà, il y a des princesses de la sérénité, je les ai déjà prises. Princesse de la sérénité, toujours bon pour améliorer sa tunique du prodige, attention. Ok, merci. Donc, homme, jeune homme, écoute ma requête, je t'écoute. Je suis la grande fée Kaisa, ou Saïda, ou César. Autrefois, cet endroit était une fontaine resplendissante. Mais au fil des ans, les dons de rubis se faisant plus rares, je me suis affaibli au point de me retrouver dans cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques rubis. 1000 rubis devraient suffire. Dès que j'aurai trouvé toutes mes forces, je suis sûr que je pourrais t'être utile. Ah oh, putain, j'en ai que 6600. Si tu as des rubis, donne-moi vite. Pour toutes mes forces, il me faut encore 1000 rubis. Vas-y, je te les donne. Est-ce que je peux te donner cela? Tu n'as pas assez de rubis. C'est dommage, oui, vraiment dommage. Va te faire. On va peut-être espérer qu'il y ait des rubis dans le chest du shrine là-haut. C'est où? Ah, c'est dans le truc jaune. En même temps, je vais pas le rater. Il faut que je monte et que j'aille à gauche. Alors là, bah, faire très 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 attention. J'ai reçu un message. Ah non, c'était une notification Snapchat. Attendez, juste y répondre parce que sinon, je sens que ça va être relou encore. Je sens qu'elle va me spam. Allez, on y est presque. Il me semble qu'avant il y a des monstres à faire. Moi qui sont plus vers là-bas. Bon bref, je sais pas. Et normalement avec le sanctuaire il y a un souvenir. Ah non, ils sont là-bas les monstres. Mais on va essayer de les éviter. On va essayer de les dodge. Colonnades antiques.
Hop là. Donc, descendre. Au pire, je farmerai le rubis pour. Il n'y a pas un souvenir? Bon, je pense qu'il y a un souvenir, mais je pense qu'il est plus en... il est plus derrière. Ah, ça fait bizarre. Pourquoi j'ai pas le souvenir? Normalement, il est censé y avoir le souvenir. Bon, bref. Je pense que je vous pète un peu les couilles avec mon souvenir. Donc, du coup, on va aller là-dedans. Toujours aussi long, les temps de chargement. Hein. Ça ne change pas. On a fait le tiers du. Pendant que j'étais en ellipse, j'ai fait le tiers du sanctuaire. Hein. On a passé la barre du tiers. Ok, c'est une épreuve de force extrême. Voilà, c'est bien ce que je me disais. J'ai pas mis fin, donc du coup, on va devoir se démerder. Donc, mon petit papote. J'ai pas beaucoup de flèches aussi. Par contre, il va nous mettre tellement bien en arme, lui. Allez, hop, approche. Fils de chien. Il a 3000 HP, hein. Ouah. On va faire tout bien propre. On va faire tout propre. Allez. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Tout se passe extrêmement bien. Vas-y, viens là. Ok, là il va faire la tornade. Vas-y, tu viens. Vas-y, 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 viens. Oh putain, elle était violente celle-là. Je vais crever. Ah merde, l'épée. Vite, 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 quelque chose. Ça là. Vas-y, viens. Ça, normalement, ça fait plus de dégâts. Parce que c'est un ennemi antique. Ok, elle va se mettre à faire son faisceau lumineux. Juste me soigner vite fait parce que j'ai pas envie qu'il me tue. J'ai pas envie d'avoir un petit game over. Vas-y, on va bouffer ça. Vas-y. Ah, ça, j'ai quand même des flèches. Oh là là. Vas-y, viens. Ah putain. Ah, c'était pas très propre. Hop, j'ai la même hache que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, mange. Allez, t'as bientôt plus de vie là. Ça, j'aime bien ça. Là voilà, maintenant il va se mettre à faire son méga rayon de la mort qui tue là. Oui, ça par contre ça va être relou. Vite, vite, vite. Ok, je me casse. On lui cale quelques flèches gratuites. Dans la petite face. Surprise! Mais d'où j'arrive pas à lui toucher le noyau central? Ouf! C'est un violent lui. Hop. Tu viens, tu lui cales une flèche, tu lui cales deux flèches et c'est bon, il est mort.
H de gardien, donc c'est bon, on va prendre un bouclier. Allez, j'espère juste que c'est. Est-ce que je l'avais pris en photo? Bon, bref, on s'en fout. Au pire, il y en a d'autres, des épreuves extrêmes. 42. Ouais, mais j'ai plus de place. On va jeter ça. On va jeter ce bouclier. Voilà, hop. On a tout bon. On est bien, on est clean. On est clean. Je vais se prendre ça. Parce que les armes archéoniques, j'aimerais quand même les garder. Et donc voilà, du coup, on a terminé ce petit sanctuaire. Voilà, hop. On va améliorer deux fois notre endurance, je pense, parce que en termes d'endurance, on est vraiment naze. On a que 15 noix Kourougou. On a trouvé que 15 Kourougou, mais c'est pas ouf. Faudra qu'on farme et tout. Je vais peut-être farm après cet épisode. Au lieu que je joue à Fortnite. D'ailleurs, Fortnite, je suis pas allé 99. Boum. Au moment où je fais cette vidéo. Bon, il est où le souvenir? Ah, il est là! Attends, on va se mettre bien. Ah ouais, par contre, j'ai pas l'épée de légende. Bon, au pire, attends, retirer. On va se mettre bien comme il faut. Ça ne fonctionne pas. J'en étais sûre. Ces ruines ont été conçues pour l'élu de l'épée purificatrice. C'est la seule explication. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Que je n'avais pas besoin de tes services aujourd'hui. Je me moque que tu sois là sur ordre du roi. Je suis la première concernée et je ne veux pas de ta protection. Retourne au château et rapporte mes paroles à mon père. Wouh! Tout ce qu'on peut dire, c'est que Zelda, elle est vraiment vénère. Hein. Au début, c'est que Zelda, elle est vraiment vénère. Donc, on va se rééquiper. Pour éviter qu'on se fasse agresser de nouveau comme des petites merdes. Ouais, donc, comme dit Zelda, là, elle est un peu vénère. Hein. Elle était un tout petit peu vénère. Où est mon cheval? Il est en bas. Ok, c'est bon, je le vois. Ou pas? Attends, il est où? Ah, il est là, c'est bon. Donc, on va redescendre, on va refaire la route tranquillement. Attends, on va essayer un truc. Ah putain, raté. Allez hop, on y va, ma belle. Oh, doucement, doucement. Vas-y, avance. Oula. Hugolol, putain, mais j'en ai rien à foutre. Donc on va redescendre de là. On va faire la route normale aussi. Ce serait bien. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que tu fais, Darkness?
Voilà, doucement, doucement, doucement. Faut pas trop non plus la relou. Oula, doucement. Voilà. C'est quoi son caractère à ce cheval, sérieux? Allez hop, c'est parti, je vous fais de nouveau une ellipse jusqu'à être arrivé au village des Piaf. Parce que je pense pas que la route va être très intéressante. Quoique avec les chevaux en général, on y va méga vite. Tu vas où là? Faut tourner? Oh là là, qu'est-ce que tu me fais toi? Fais gaffe, je vais te laisser au relais. Hein. Donc ouais, je vous fais une ellipse dès que à partir de maintenant et je vous reprends. Oula, lui là je le sens bien. On va juste le faire en ellipse et je vais vous retrouver une fois arrivé au village des Piaf. Allez les gars, on y est presque. On est presque au village des Piaf. Normalement, il y a un sanctuaire pas loin du relais. Ou pas. Relais des Piaf. Ouais, bon, là-bas, il y a un shrine, là. Bon petit curry. Qu'est-ce que tu veux, toi? On va débloquer toutes les quêtes. Je sais que c'est parfois très bon pour l'estomac, mais j'aime vraiment les plats épicés. Quelque chose d'épicé, mais avec du riz pour adoucir. Tu sais, un plat de curry qu'il me faut. C'est dommage, j'ai un boisseau de riz, mais plus un gramme d'épices goron. Pas de curry pour moi. Je fais bien quand même... Et allez, laissez le relais comme ça. Dis-nous, voyageur. Si tu tombes sur un flacon d'épices goron, tu veux bien me céder? Aucun problème, c'est vraiment gentil de ta part. Il y a un tel un bon curry pour la vie à un vieux bonhomme congelé. Est-ce que j'en ai du curry? Remède inifus. Ouais, bah justement, c'est bien ce que je me disais. Il me faut des épices goron. Mais j'en ai pas des épices goron. Donc curry anti-froid, c'est fait. Donc toi, là, ok, il y a Azarim. Nous nous retrouvons. Comment vas-tu, compagnon? Nous sommes près de mon village natal, le village Piaf. Je dois avouer qu'il me manque. Mais pourquoi t'y vas pas alors? Putain, sale con, va. J'ai laissé ma femme et mes enfants, vois-tu. Ah, je suis sûr qu'ils vont tous bien. Mais je ne pourrai pas retourner tant que j'aurai pas tenu la promesse que j'ai faite à mon maître. Une promesse? Attendez 2 minutes. Ne me demande pas de quoi il s'agit. Je ne crains de pas pouvoir en parler pour l'instant. Quand j'aurai accompli mon rôle dans la transmission des anciens chants, je pourrai tout te révéler. Tu n'auras qu'à me rendre visite dans mon village. Mais assez parlé. Reprenons notre route. Je suis parfois bavard, merci de ton écoute. Ce chant est à propos du héros du passé. Je le tiens de mon maître. Souhaites-tu l'écouter, vas-y. Je te remercie. Ah, mais il va nous refaire la scène, là. Ok, TG. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux m'entendre à nouveau, n'hésite pas à le demander. Bon, toi, TG. Toi, là, tu ne veux rien. Ah, pardon, excuse. Ah, il y a des fagots de bois à voir. Oh la vache! Ah, ici, pour fermer les fagots de bois, c'est bien. Il y a même des... Ah, c'est des baies. Ah, c'est nickel, ça. Ah, il y a du piment, attends. Ah, piment. J'aurais peut-être dû prendre les baies en photo. Donc, on a quasiment rien à faire ici. Mais putain, mais arrête. T'arrêtes pas de jouer, putain. Hop. Nous, on se casse. Et on va au village des Piaf. Enfin, j'allais dire des Auras, mais pas du tout. Je suis encore dans mon Wind Waker. Hop, on y va. Fais un peu attention. C'est bon, tranquille, tranquille. Bonjour. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Qui es-tu? Je m'appelle Guipa, j'appartiens à la tribu des Piaf. La tribu des Piaf? Oui. Petite tribu, le lac Pipiaf. Les mâles sont des archers hors pair et les femelles d'excellentes chanteuses. C'est bien ce que les petits Illidiens prennent à l'école, non? En tout cas, il sera dommage d'être venu jusqu'ici sans faire un crochet par notre village.
Ouais, un crochet, mais genre, il me semble qu'on va entendre un méga rugissement de la mort qui tue. Ah oui, et dans cette région, il y a pas mal de courants ascendants. Donc, on va y aller. On va y aller tout doux. Il y a un shrine à faire là-haut. Il y a aussi un Korogu aussi, il me semble, près du shrine. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Le rugissement tempétueux du lion. Non, je dis qu'on n'est pas dans Beyblade. Je vois un shrine à la droite, un shrine au milieu. Ah, Vamedo. Ma créature divine préférée avec Varuta. Ah, elle est stylée. Par contre, son cri, ça te glace le sang. Vamedo. Quelque chose me dit qu'on va bientôt en découdre, toi et moi. Et je vais pas vous mentir, on va faire Vamedo dans le prochain épisode qui sera en live. Ce sera donc vendredi prochain. L'épée légendaire a retrouvé le pouvoir. Oh, mais c'est magnifique. Oh non! Oui, mais attends, mais il peut pas me rejoindre. C'est trop méchant. Donc, village piaf. Donc, je vais chercher de suite la statue de la déesse. Qui est ici, normalement. Nickel. Vas-y. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe. Vas-y, plus d'endurance. J'aime bien la forme du réceptacle d'endurance, c'est stylé. Voilà. Va y ramène la paix en Hyrule. Ah, c'est pour ça que j'ai des remontées. On va accéder à la quête principale. C'est toi? Non, c'est pas toi, c'est plus haut. Et on va faire aussi le shrine. Ah, il y a pas mal de zones aussi pour s'envoler. Ah oui, et au niveau des piafs, il fait beaucoup plus froid. Donc du coup, il va falloir s'équiper bien comme il faut. Donc, sanctuaire. Le petit shrine des familles qui va bien. Par contre, là, il y a un truc qui est relou, c'est que dans Zelda, la sauvegarde, elle est automatique. En fait, dans ce Zelda, elle est automatique, la sauvegarde. Ici, c'est quoi? Moulin à vent. Ah, ça, je sens que je vais pas aimer. Ah, quoique. Attends, faut quoi? Faut que tous les moulins à vent soient... Faut quoi? Faut que tous les moulins à vent sont allumés, c'est ça? Donc attends, on va faire ça en vitesse Mach 20. Celui-là, on va le tourner ici. Celui-là. On va le tourner. Comme ça. Ah ouais, mais là du coup il en manque un. Attends, où est-ce que j'ai fait une connerie? Où est-ce que j'ai fait une bêtise? Ah mais attends, mais là il en manque toujours un. Attends, où est-ce que j'ai fait la connerie?
Attends, j'ai fait une connerie quelque part là. Ça ne va plus! Ça ne va plus du tout! Attends, on va prendre une vue du haut pour voir ça. Donc attends, celui-là, c'est bon. Celui-là, ok, il en fait 3. Celui-là là-bas, il en fait 3 aussi. Celui-là, il en fait 2. Ok. Nickel. Ça va en fait, j'ai pas trop galéré. Arrête le focus. Ich habe nicht so viel galéré. Donc on va se faire un deuxième truc d'endurance. On va se faire un deuxième truc d'endurance. Comme ça, on sera un peu mieux au niveau endurance. Comme ça, quand on voudra faire la paravoile, ben on sera mieux. Là, avec les flèches, parce qu'en plus, on aura besoin ça. Ah. Donc, quête principale, et après on s'arrêtera. Tiens, tiens, un visiteur. Mais, cette chose que tu as ta ceinture, serait-ce? Mais où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme, je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à ta ceinture, c'est bien la tablette Sheikah, n'est-ce pas? En effet. Pas du tout. Non, le petit oiseau, mais alors? Tu es donc un prodige comme le grand Evali, l'un des rares à pouvoir accéder à 20 mètres. Pourtant, c'est impossible, les prodiges sont tous péris il y a 100 ans. Ce garçon doit être un de leurs descendants, héritier de la tablette Sheikah. Pardonne-moi, mon garçon, j'étais perdu dans mes pensées. Héritier du prodige, j'ai hâte de parler. Serais-tu disposé à m'écouter? Je t'en serai éternellement reconnaissant. Bien sûr. Je te remercie infiniment. Maintenant que je sais que tu es l'héritier du prodige, je suis le prodige, ok, hein? J'ai une mission à te confier. Voyons comment présenter la chose. C'est simple, j'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village 20 mètres de haut. Le village. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et en prendre le contrôle. Lorsque Théba et Arfor, deux gardiens de notre village, ont appris ça, leurs saint Jenna et Ardent n'ont fait qu'un tour. Ils se sont aussitôt élancés dans les cieux, bien déterminés à prendre le contrôle de Médo. Mais la créature les a cuits à coups de canon et une de ses salves meurtrières blessa le malheureux Arfor. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. L'un de vos jeunes piafs dont je te parlais, Théba, veut retenter sa chance contre Médo. Trouve-le. Si vous initiez vos forces, vous viendrez à bout de 20 mètres. Donc 20 mètres, quête principale. La femme de Théba, ouais bon ça. On le fera la prochaine fois. N'hésitez pas à liker l'épisode, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Putain, j'ai niqué ma manette. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle fasse plein de vues. Hein. En ce moment, mon nombre de vues sur les vidéos, bah c'est pas trop ça, quoi, tu vois. Et puis bah merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Snapchat et un Instagram. Et bah sur ce, moi je vous dis peace.